Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour équilibrer cette nouvelle équation. C2H6 plus O2 donne CO2 plus H2O. C'est la combustion de l'éthane dans le dioxygène. On terminera par l'élément oxygène, puisqu'on voit qu'il est ici seul dans la molécule de dioxygène, ce qui rendra les choses plus faciles. Commençons par le carbone. Du côté des réactifs, on a deux atomes de carbone dans la molécule C2H6. On a six atomes d'hydrogène et on a. Deux atomes d'oxygène dans la molécule de dioxygène. Du côté des produits, on a un atome de carbone dans la molécule CO2, de dioxyde de carbone. On a deux atomes d'hydrogène dans la molécule d'eau. Et l'oxygène, il y en a deux dans la molécule CO2, plus un dans la molécule H2O, un total de trois oxygènes. On va donc commencer par équilibrer l'élément carbone. Pour ça, on cherche à faire apparaître. 2 atomes de carbone et on voit qu'il faut tout naturellement venir rajouter le coefficient stoichiométrique 2 devant la molécule de dioxyde de carbone. On passe aux hydrogènes, même chose, ici on veut faire apparaître 6 atomes d'hydrogène, on va donc venir multiplier par 3 ici pour faire apparaître 2 fois 3 6 atomes d'hydrogène. On va recalculer le nombre d'oxygène puisqu'en rajoutant les coefficients stoichiométriques 2 et 3 on a modifié le nombre d'oxygène. En l'état il y a 2 fois 2 plus... 3 fois 1, c'est-à-dire 7 atomes d'oxygène. On cherche donc du côté des réactifs à faire apparaître 7 atomes d'oxygène. Et on se rend compte ici qu'il n'est pas possible de trouver un coefficient stoichiométrique entier puisque 7 n'est pas un multiple de 2. Il y a donc plusieurs manières de procéder. Ici, le plus simple, c'est de travailler avec les fractions. Parce que si on cherche à faire apparaître du côté des produits un multiple de 2, à chaque fois qu'on va toucher aux oxygènes, on va automatiquement toucher soit au carbone, soit aux hydrogènes, parce qu'à chaque fois ils sont associés dans des molécules. Donc le plus simple ici, c'est d'essayer de trouver la fraction qui va me permettre de faire apparaître euh, cet oxygène, et on voit que 2 multiplié par 7,5 égale 7, c'est-à-dire que le coefficient stoichiométrique... Cette demi ici permet d'équilibrer cette équation. En l'état, l'équation est équilibrée. Maintenant, par convention, on a l'habitude de ne jamais laisser de coefficients stoichiométriques avec des fractions. Donc ce qu'on va faire dans le cas où on a une fraction, comme ici, pour la faire disparaître, on va tout simplement multiplier tous les coefficients par 2. Donc je vais multiplier toute l'équation. Ici, je vais faire 2 fois à chaque fois. Quand il n'y a pas de coefficient noté, on sait que c'est comme s'il y avait un coefficient 1, donc ça va me faire 2... C2H6, 7 7,5 multiplié par 2, il va y avoir 7 dioxygènes. 2 multiplié par 2, il va y avoir 4 dioxyde de carbone. Et ici, 6 molécules d'eau. Je vais réécrire ça proprement. L'équation chimique est maintenant équilibrée avec des coefficients stoichiométriques sans fraction. Elle se lit ainsi 2 molécules d'éthane réagissent avec 7 molécules de dioxygène pour former 4 molécules de dioxyde de carbone plus 6 molécules d'eau.